Merci, merci de nous rejoindre pour la demi-finale du concours millénial moins con PIM. Qui va se qualifier pour la finale? On ne le sait pas encore. En tout cas, laissez-moi d'abord vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être avec nous à Millénial. Bonsoir. Je dis à nous que je vais envie changer bagayo parce que nous avons été juste. Certes, nous avons fait un travail qui est vraiment nice, mais il n'y a pas de caméra. Donc, je me dis, OK, pas de problème. Je dis, il faut me tâcher sur la table. Je dis, non, je ne suis pas capable comme ça. Je suis obligé de camper mon côté. Et je vais demander, s'il vous plaît, pour nous faire un pile bris pour vous. On a commencé avec juge Aubert Cathy Moïse. On l'applaudit, s'il vous plaît. Raison Peterson. Lydie, s'il vous plaît, suspendrez le Cristiano Ronaldo pour le public là, pas mal pour le dégager, pour le faire ça, le qu'on fait. Et on applaudit, s'il vous plaît, Adeline Hippolyte. Jodi a, nous parlons juge Churchill ensemble avec nous, parce que les gens ont un inconvénient et les remplacer valablement avec juge Placide que m'a demandé pour nous applaudir, s'il vous plaît. Et notre Ouidza national, Mérisier Payen, on l'applaudit, s'il vous plaît. J'aime ça dire, nous avons commencé avec 21 participants et je dis pour demi-finale là, nous avons seulement 7 qui sont ensemble avec nous. Nous parlons Léo pour nous voir qui est ce là qui peut aller dégager pour lui décoter place par là dans la finale. J'aime dire, yo pas jamais connaît d'avance que yo passé ou pas. Bon oui. Si vous croyez dans la tête, vous connaissez le match qui passe, c'est sûr que vous connaissez que il n'y a pas avancé. Mais, il y a un bagage qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est parce que il y a un joueur qui passe, qui n'est pas là ensemble avec nous, pour une raison qui vraiment. Monsieur après le passé, la bague au droit. Hein? Même s'il n'est pas là, nous avons une félicitation à Jean-Marie. On l'applaudit, s'il vous plaît. Jean-Marie Joseph qui se marie aujourd'hui, qui n'est pas qu'à ensemble avec nous. Et franchement, j'aime se dire félicitations. Ce ne sera pas facile, ce n'est pas quelque chose de facile, mais en tout cas, bienvenue. Hein? Madame Ouidzak a dit bienvenue. Madame Katik a dit bienvenue. L'autre monde est célibataire. Hein? C'est-à-dire, il y a des cœurs à prendre, OK? Sous table, ça. Dégagez-nous, monsieur, dégagez-nous, mesdames. Bah, bravo pour vous, célibataire. Oh, oh! Là, mon célibataire, c'est gros causé, oui. Il y a des moins de demoiselles dans le public, là, comme si qu'a fait comme ça. Les autant de messieurs célibataires, hein? Juge raison. En tout cas, moi, je vais relayer les gens qui qualifient pour finale, là, ensemble avec nous. Semi-finale, pardon. Nous comptons, nous comptons du final, hein? Nous sept la voile dans le final. On applaudit, s'il vous plaît, Ernest et Jonathan. Jean-Baptiste Ernst Stanley. Joseph Pierre Lovinsky. L'homme à la voix d'or. Remeda Pudence. C'est juge. S'il vous plaît, c'est pas moi qui baille non, non, c'est juge Hippolyte. Qui baille non tellement l'y trouver voix. Est-ce que vous avez.
Prudence, ou quand faut-il parler dans le micro pour vous, s'il vous plaît? Bonsoir. Mes amis! Bien! Et un des chouchous du public, Toussaint Hervens. Alexandre Louis Davidson. Et Jean-Moi Sodil, c'est malheureux pour Jean-Marie, dans un sens, pour concours là, et c'est bienheureux pour Alcineus, qui pas tapé avec nous aujourd'hui, et que c'est lui-même qui est venu après Jean-Marie avec plus de points, et que nous mettons en place Jean-Marie. On l'applaudit, s'il vous plaît, Alcineus Alexandre. Bon! Nous allons commencer, c'est sûr. Merci déjà, parce que nous allons passer un moment qui est vraiment fini. Il y a une bagaille pour nous connaître pour l'émission Jodia. Pas de bagaille à aller la caille après ou à connaître si vous passez ou pas. C'est Jodia, Jujio, à tout contrôler, décider, et puis by trois personnes qui après participer dans la finale là, que nous-mêmes avons tout présenté à public là. Nous allons commencer, hein? Ça va passer. Mais fanatique qui piche chaud, arrêtez. Oh, Jésus! Ou pas quoi, Jodia? Ah, nous quoi. En tout cas, nous allons retourner après pause là pour nous commencer par être sérieux. Merci parce que toujours ensemble avec nous sur Télé Pacifique, pas oublier ou sur plateau Millénial, on va suivre demi-finale concours génie mon compte pays. J'aime ça annoncer, nous allons commencer avec la première série de questions histoire d'Haïti. Normalement, il y a 7 participants. Nous t'as supposé gagner 7 questions. Mais pour histoire et géographie, on a gagné 14 questions, ça veut dire chaque monde a répondre 2 questions. Nous OK. Alors, bonne chance à tous. Je vais vous pour nous applaudir, s'il vous plaît, pour encourager. Bien, et on commence avec, normalement, jury, en place 012, Joseph Jean-Marie. Vous allez avoir 001, Alcineus Alessandro. Question d'histoire pour 001, Alcineus Alessandro. Question 6. Question 6 pour Alessandro. Originaire de Grande-Rivière du Nord, ce général, futur sénateur de Port-au-Prince, a poignardé Dessalines lors de sa mort. Étienne Gérin. Non. Qui veut répondre? Personne? Bien. M'après dit, m'pa kabay ni précision ni rien pour une question qui pas pour. OK, il faut juste les yo t'a lancer question, hein? Tendez qui ça qui te dit la donne. C'est Yayo. Bien. Deuxième question pour Alessandro. Toujours histoire. Question 1. Question 1, pour moi la question la plus facile, journaliste épouse de Jean-Dominique, j'étais la porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, de 2007 à 2009. Qui suis-je? Michael Jean. Non, qui veut répondre? Tous ces AVNZ au 19, Michel Montas. Bravo! Alexandre, Boakale a commencé trop bonheur. On y va avec Alexandre 002. Question 14. Question 14.
des marines américains s'accaparent des réserves d'or du pays s'élevant à 500 000 dollars et embarquent sur le Matias, qu'elle fut le président d'alors. Où est Zamo? Non. Tu veux essayer? Lovensky, Gigio, s'il vous plaît. Surtout les gens qui ont raté la question, puisque nous avons raté. Puisque l'autre monde a tout levé, mais nous avons gardé pour moi parce que moi-même, je n'ai pas choisi. 014, Pierre Lovensky Joseph, Louis Borono. Non. S'il vous plaît, est-ce que vous allez donner la possibilité à un autre postulant de répondre? Tu veux essayer, Alessandro? Ok. 001. Davilmar Théodore. Oui, c'est Davilmar Théodore. On continue, s'il vous plaît. Question 12. En 1891, à quel incident diplomatique se trouvait impliqué Bancroft Girardi? Affaire Girardi ou affaire Molson-Nicolas? Oui, c'est ça. On continue, s'il vous plaît. Ernest Jonathan, Bogota des fanatiques, vous avez dit la bonne question, hein? Non, je vais répondre. A préparé, vous avez dit, Ernest. Question 9. Question 9. Quel est le lien entre ces personnages dans l'histoire d'Haïti, Henri Danfi, Williams Regala, Max Vallès, Alix Sineas, Gérard Gourgue et Prosper Avril? Ils étaient tous membres du CNG. Oui. Deuxième question pour Ernest Jonathan. Question 13. Question 13. Quel nom porte la bataille qui opposait les esclaves noirs révoltés commandés par Toussaint Louverture face aux républicains commandés par Lavaux en janvier 1795? La bataille des couteaux? Couteaux? Non. Monsieur, tu as un couteau dans la bataille là, mais ce n'est pas comme ça. Really. Qui veut répondre? Il y a même hésité. Personne? C'est bataille de Morne. De Morne, Pelé. On continue, s'il vous plaît. Joseph Ernst Stanley. Jean-Baptiste Stanley. Oh, pardon, changez nom. Jean-Baptiste Stanley. C'est écrit mes précisions. Je suis désolée. On y va. Question 8. 8. Ministre de la Défense au Maniga, ministre de l'Intérieur pendant le Conseil national du gouvernement, cet ancien général rendit l'âme le 23 décembre 2018 à Port-au-Prince. Qui veut répondre? Hello, Lovensky. Personne? Alessandro. Omeda. C'est Williams Regala. J'aime ça. J'adore. Côté de hein? Qui ne risque rien, n'a rien. Question 5. Question 5, deuxième question pour Ernst Stanley. Jean-Baptiste Ernst Stanley. Nom complet du premier président haïtien à mener son mandat à terme. Sylvain Salnav? Non. Qui veut essayer? Jean-Nicolas Nissal-Saget. Oui, 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 c'est ça. On continue. Question 2. Question 2 pour Pierre Lovensky. Le principal adversaire de François Duvalier aux élections présidentielles de 1957 fut? Louis Desjoies. Oui, oui, c'est ça. Question 11. Question 11. Juin 1793 marque l'émergence d'une élite de mulâtres à Saint-Domingue et la fin des colons blancs. Ceci est le corollaire de quel événement?
Tout est de balle? Non. Qui veut essayer? Personne. C'est affaire Galbo. Question 10. Question 10. Quelle fratrie a donné deux présidents au pays? Le temps est écoulé, qui veut essayer? Ernest Jonathan? La fratrie Sam? Non, qui veut essayer? Ervens, tu veux essayer? Lovensky, Alessandro, Alexandre, Stanley, personne? C'est la, moi dis fratrie. C'est Boiron et puis Canal. Question 3. Quelle martyre haïtienne est pendue en 1802 pour connivence avec des insurgés de l'Orcaillais qu'elle aurait donné des munitions? Maupas? Non. Sur le gong, mais non, c'est pas ça. Alessandro 001. Henriette de Saint-Marc? Oui, oui, c'est Henriette de Saint-Marc. On continue, s'il vous plaît. Dossier 2019, question 7. Question 7. L'acte de l'indépendance du pays est l'œuvre de Boisrond-Tonnerre. La première version non retenue était l'œuvre de quel officier? De Chariron. Bravo. Je n'ai pas fini habitué à vous, entendez? Parce que Chariron est l'homme important. On continue. Deuxième question pour Evans. Question 4. En signe de désaccord à l'élection présidentielle de 2000, l'opposition élit un président symbolique face à Jean-Bertrand Aristide. Cet ancien garde des Sceaux se nomme. Gérard Goug. Bravo. Ouais, ma collée d'ailleurs souvent, vous ne pas camper l'eau après. Bien. C'est la fin de la première série de questions qui c'est questions d'histoire. Et on va passer tout de suite à la série de questions géographie. Mais moi, j'ai deux visites là qui sont super importantes pour Millennial. Je ne vais pas saluer Risnold. On applaudit s'il vous plaît. Viens me trouver. Qui est-ce qui connaît Noldi Risnold? Monsieur Bandoa. Monsieur Haïti Gemouna. Nous connaissons le concours ça, Haïti Gemoun, qui a fait actualité sur Internet là. Oui. Final là, c'est, je vais quitter Risnold, qui c'est ancien assistant. Je dis ancien parce que, à cause d'Haïti Gemoun, il a un millénial net. Même qu'on est de loin, il pensait avec nous, il a une idée tout, il voyait. En tout cas, son plaisir pour nous, matin, hein? Pas vrai? Son plaisir. Bonsoir, millénial. Est-ce que nous avons dit ensemble Haïti Gemoun? Haïti Gemoun. Si nous là, Gemoun. Maintenant, dis-nous, applaudissez-nous le fait que nous là, matin. Un gros tonton bravo pour Télépacifique qui a organisé gros événement ça qui fait jeunes qui ont mis capacité en valeur pour valoriser richesse dans le pays. Est-ce que nous applaudir? Et oh, à papa qui fille là, ah, me fâché. Bon. M'pa prêté, m'passé invité nous dans final concours Haïti Gemouna qui a fait le 9 septembre 2023 que n'a gagné et belle madame Sarah qui là et comme nous dans juge nous, n'a gagné Michel Souka et Smoy Noisy, un pilote gros personnalité dans le pays. M'invitez nous, venez participer. Et au monde qui voulait participer, les cas jeunes moins dans le corner là. T'as l'heure comme ça et m'a dit nous, Haïti Gemoun. Merci. Merci. Merci Risnold. M'a dit nous, nano millénial, ou manquez nous en pile. Tournez vite, même si vous êtes Haïti Gemoun, vous êtes toujours dans mon pays. N'a pas applaudi s'il vous plaît encore. Risnold. Bien, on va continuer. Géographie d'Haïti. Deuxième série de questions pour aujourd'hui, géographie d'Haïti. Et normalement, on va commencer avec Cineus Alessandro 001. Question 3.
Question 3 pour Alcineus Alessandro. Quelle est la commune d'Haïti traversée par la rivière L'Océane? Tout le monde? Non. Tu veux essayer? Cerca la source. On continue. Deuxième question pour Alessandro. Question 10. Question 10. Géographie d'Haïti. Les grottes Sonnois et Nanremi se trouvent dans quelle commune? Tomode. Non. Stanley veut essayer. Jean-Baptiste Stanley, 009. Pignon. Non. Qui veut essayer? Oh. C'est pas essayer, mais c'est une question, ma vie ne prend. Mais c'est Las Caobas. On continue. Question 11. Question 11. Commune de l'arrondissement de Saint-Raphaël, je suis immortalisée par un poème de Georges Castrat. Dodon? Non. Qui veut essayer? Qui ne risque rien à rien, qui ne risque rien à rien. Le c'est du petit posé. Bien, personne, c'est Ranquitte. On continue, deuxième question. Question 4. Question 4. Je suis une dame noire, très colérique, signe de grand danger, spécialement pour Haïti. Je suis la cause de son surnom, pays à risque. Je règne de juin à novembre, qui suis-je? Cyclone. Bon, Gigi Ovlebaoul, oui, c'est la saison cyclonique. On l'applaudit quand même, s'il vous plaît. Jonathan Ernest, 007, question 5. Question 5. Mon yo fret. On continue. Bakale. Fondé en 1983 par William H. Hodge, j'abrite des artefacts de la période précolombienne à Limbé. Musée de Limbé? Non. Qui veut, il y a deux personnes qui veulent. Alessandro? 001. Musée interne Kouaba de Limbé. Oui, musée Guaraba. Question 2. Question 2. Commune d'Haïti réputée pour sa bauxite exploitée de 1957 à 1982 par la Reynolds Asian Mines. Miragouane. Non. Qui veut répondre? Personne? C'est Payan. On y va, Stanley? Jean-Baptiste Stanley, 009. Question 7. Question 7. Classé patrimoine culturel immatériel d'Haïti en 2020, ce foyer artistique se spécialise dans le faire découper, perpétuant un héritage des années 1950. Le temps est écoulé, qui veut? To service. Pudence, c'est pas toi. Irvine, c'est Pudence. Village Noailles. Oui, c'est ça. On l'applaudit, s'il vous plaît. On continue. Question 8. Question 8. Quelle commune abrite la source Zabet? 014, Pierre Levinsky Joseph, Grissier. Non. Tout servin, 019, Gantier. Bravo. Question 9. Question 9. Quelle commune abrite l'étang Pouillet? Fort Liberté. Non. Qui veut essayer? Personne?
Question 1. Marigot. Question 1. Question très facile. Localité se trouvant à proximité de Cabaret, caractérisée par un métissage de Polonais et d'Haïtiens, marqué aussi par le massacre de 1969. Habitation La Motte? Non. Casal. On annule la question. Bien. Prudence. Question 6. Question 6. Limitrophe de Moulins-sur-Mer, cet ensemble muséographique est aménagé par un architecte en mars 1977 suite à son abandon datant de 1799. Le temps est écoulé. Qui veut répondre? On y va. Le musée Auger Fontbrun. Oui, c'est le musée Auger Fontbrun. Voilà. Question 12. Question 12. Quel est le plus grand plateau d'Haïti? Le plateau central. Non. Qui veut essayer? Alessandro. Le plateau du fond des nègres. Non. Personne d'autre? C'est le plateau de la presqu'île de Port-Salut. Bien. Tout ça, Hervins. Regardez, moi, mes catégories, ça en pile. Tout ça, Hervins, 019, question 13. Question 13. Comment se manifeste le caractère volcanique d'Haïti? Par des tremblements de terre. Et par des tremblements de terre à petit feu. Jujio, décidé Baoul. Ouais. C'est par des sources chaudes et des tremblements de terre relativement modérés. D'accord? On continue. Question 14. Question 14. Situé à 750 mètres d'altitude, quelle ville haïtienne est réputée pour sa bambouseraie? Le Cap-Haïtien? Non. Qui veut essayer? Culture bambou, qui côté Ophel, c'est Mar, Me, Lad, Lacaille, Préval. Bien? On les applaudit, s'il vous plaît. C'était une série de questions qui n'est pas facile pour presque tout le monde. Nous avons fait déplacer à l'Degoudi, j'aime nous. Et nous avons demandé à l'artiste nous mettre au prêt avant même nous continuer. Mais, prenez-moi même un public la cadeau. Hein? Qui est-ce qui veut cadeau pour final là? Déjà, il y a des gens qui veulent des cadeaux. Mais besoin de ouais, trois autres cadeaux encore. Super facile. Regardez avant, demandez comment je vais. Ouais, et puis nous faisons montre, nous ne pouvons pas. Demandez comment je juge je regardez, les contents me disent que c'est facile. Viens chérie, on l'applaudit s'il vous plaît. C'est trois mouns. Ouais, m'a gardé si pas gon fille qui a venu. Ah, ok. Oh, m'a représentant, on l'applaudit. Côté mesdames, yo. Oh, oh. Nous pas voulons venir, nous m'a représentant, nous pas voulons. Bad, ouais, trois. Trois chérie, bad bravo pour Poto. Voilà. Merci. Bien. Gros question pour le poser là. Puis gars nous penser. Puis gars nous penser c'est fréquentité non? Attendez. Me couper bien bas avec tout respect me gain pour nous, m'a poser nous. Est-ce que nous qu'on lit? Oui. 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 Que jury a acté pour moi. Tous les trois moun yo dit mieux qu'on lit. Bien, on y va. Ton nom? Fontaille Luzder. Ok.
Moi, je connais trop, oui. Mais non, quand même. Richardson Lizius. Oui, Richardson Lizius. Fanatique qui picho, bon ici, ya. Oveline Alcineus. Ah! Mais c'est Alcineus. Ah! Quand Alcineus, mets-moi un visage. Est-ce que nous avons ressemblé? Oui. Il ne connaît pas même papa. Même maman, même papa? Oh! Mais Alphonse Bobo Alcineus, sous moi, t'as pris. Allez, on applaudit, s'il vous plaît. Oh là là! Ah, nous ne pouvons pas faire ça, nous, non? C'est le nom millénial, ça fait, pas vrai? Alcineus, t'as dit merci. On continue, bien. S'il vous plaît, tout le monde dit qu'on lit, c'est pas vrai? Juge Moïse, prête me faire une débarque, à t'en prie. S'il vous plaît, moun qui gagne, public la bay gagne, ouais, ma m'aimerais fouer juge la donne. La gagne 5000 gourdes pour final là. La bay non, la vini, et puis la prend 5000 gourdes li. Trois petits papiers ou les sa ouk nan même là. N'a choisi yon, gagne trois phrases dans feuille là. San choisir, Céline Abdi. On va faire un exercice de diction. Vous êtes prêts? C'est nous qui t'a dit. Qui? Et bien, vous avez dit, nous allons aller. S'il vous plaît, rapide. Pas que je te. Non. Pap, beau. OK? Les femmes d'abord, hein? Sauf dans la mort. Un millénial, c'est ça? Non. Nous faisons des choses différentes, hein? Jean-Valentique Sachant! 3, 4, bois calé! Bien, on y va! Mon fait papier à vous. Question 2. Qui sa principe là est? Faut le dire rapide. Je ne vais pas dire le même genre ensemble avec un TGV, mais rapide. On y va! Bon, l'île bien pour pas proposer le livre à l'île. Monsieur Petit, peux-tu me dire l'heure? Vous entendez bien? Non. C'est pour comprendre la phrase. On y va. Monsieur Petit, peux-tu me dire l'heure? On va dire le plus rapide que moi. Papa, po. 5000 gourdes. Monsieur Petit, peux-tu me dire l'heure? Bravo, policiers, qui gagne 5000 gourdes. Mon cher, mais la natite a méchant, puis lui, pas d'agon bagay pour Jean Moyen au millénial là, hein? N'a pas accompagné pour moi qui prend le chita? Bla 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 bla, monsieur Aaron Lee. Bien. Elle d'abord, pontisson toujours. Il a toujours dit, derrière chaque grand homme se cache. Bon. Donc nous allons aller avec madame la sœur de Alessandro. Alessandro va stresser. On continue. Toi, son sage chat, son sage chien, son sage singe. Et bien, moi, c'est lui qui m'a choisi. Ah, madame dit, oh, 1, 2, 3, 4. Son sage chat, son sage chien, son sage singe. Sauf que, m'pa permet ou dit je yo.
Son sage chat, son sage chien, son sage singe. Bon, comme nous sommes d'accord, vitesse à l'heure, hein? Nous d'accord, vitesse à tout. On l'applaudit, s'il vous plaît. Millennial get a fait 10 000 gouttes. Pas 10 pour là, non? On l'applaudit, s'il vous plaît, la sœur de Alain Sando. Bon. Non, qu'elle me fait mal, vous l'y voyez, c'est ça que Pidi a crêté. Question 2. Les chaussettes de l'archiduchesse de Massachusetts sont-elles sèches, archi-sèches? Nous allons voir dans la vie, on dit que les gens n'ont pas de chance. Si n'ont pas de chance, c'est un monde. Vous avez essayé? Vous avez dit la voix encore? Les chaussettes de l'archiduchesse de Massachusetts sont-elles sèches, archi-sèches? Est-ce que vous entendez ça le dire? Moi, je m'attends à rien dans ça le dire. Où est-ce que vous avez le dire? Les chaussettes de l'archiduchesse de Madame Massachusetts sont-elles sèches, archi-sèches? On l'applaudit, s'il vous plaît. Sauf que, pas de Madame Massachusetts. Ouais, c'est ça, me parle avec nous. Nous sommes trop fanatiques pour nous dire bal. Qui compte qui boit là? Comme si Millennial va Québec comme nos Kesli. On l'applaudit quand même, hein? Merci. Bien, mais Jean, je vais te la finir parce que y a une fille qui gagne, un garçon qui gagne. Tout à l'heure, Risnol, tout a dit, oh, papa, pas une fille, m'a fait un signe pour ne pas dire rien, elle voulait aviler mesdames. Je suis très content parce que la sœur de Alessandro levait le visage dans cette beauté mission. Je dis, parce que je suis qui puis je suis là quand même. Bon, peut-être ça bat bravo pour lui encore. Hein? Bien. Avant de passer à la série de questions civisme, on va accueillir une artiste qui, je ne vais pas le dire, il semblait avec un artiste que nous connaissons, parce qu'il a une touche pâle. Nous parlons tant des voiles qui pourraient le charmer nous. Jean-Marie m'a dit, il a venu présenter tête li, dit qu'il est lié, et puis nous-mêmes, nous prenons le chita pour le mettre barré dans main nous. Même qu'on est nous en façon spéciale, hein, pour nous accueillir à Tisbo ici, hein. Montrez-moi, s'il vous plaît, comment on appelle l'artiste Lynn. On l'applaudit, s'il vous plaît. Ça, son artiste, hein. À qui est-ce qu'il fait nous penser? M'pap by cop, non? Ou courir couvrir tout public moi on pas by cob hein. N'a quitté artiste la présenter tête li et puis s'il vous plaît prends sain nous prends temps nous on t'entend voir artiste là. Hello Lynn. Hello hello. Bonsoir tout le monde. OK, je suis Lynn Myriam Scholl, moi suis une jeune chanteuse rappeuse, moi c'est étudiante à l'université à étudier sciences comptables. So, nous allons faire une belle connaissance là avec musique moi, projet moi. Donc, nous souhaitons nous enjoy ça avec. Donc, nous allons passer un bon moment. Ah, ok. Institut des hautes études économiques et commerciales. Eh bien, ok, m'attend nous.
So, ok, pour la musique que je vais chanter là, c'est bon pour moi. Nous connaissons ça déjà, d'une façon ou d'une autre, nous avons toujours un monde qui est bon pour nous. N'importe quoi ça y a. Donc, donc nous allons enjoy. Je souhaite nous enjoy, moi, ce ça avec. On love, hein? Sentim doué à faire, moi pas vle blesser pour j'en même, même si pour lui pas senti rien, même sentim doué à faire, il est tellement bon pour moi, pour tout ça le faire pour moi, il est toujours là pour moi, senti pour lui, moi t'a doué là, il est tellement bon pour moi, pour tout ça le faire pour moi, il est toujours là pour moi, senti pour lui, moi t'a doué là, pour lui, belle musique ça m'écrit. Son bon ami qui me raconte sur lui. Mais le table est plus que ça. Na tête l'indou est plus que ça. Mais moi, dans l'esprit, pam, m'ta souhaité nous être là. Ça fait le mal, mais la cache. L'obligé vivre avec. Les palettes, les fesses surface. Tout le monde est carré maqué. La propose, ça pas blessé. Moi, m'connais sa dominé. Mais les soirs, elle sous cabane. C'est moi qui n'en pense. Moi pas vle blesser. Ou j'en même. Même si pour lui m'pas senti rien. Même senti m'doué à faire. Moi pas vle blesser. Ou j'en même. Même si pour lui m'pas senti rien. Même senti m'doué à faire. Li tellement bon pour moi. Pour tout ça le faire pour moi. Li toujours là pour moi. Même senti pour lui moi t'a doué là. Li tellement bon pour moi. Tout ça le fait est pour moi, il est toujours là pour moi. Me sentir pour lui, moi t'a doué là. Me sentir pour lui, moi t'a doué là. Ah 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 ah. Yo, me sentir pour lui, moi t'a doué là. Yeah, pays a pas son moment difficile. Donc on va l'improviser là. OK, tout jeune qui là, prêtez attention. Moi t'a voulu le changer pour jamais même pays m'a absorbé très longtemps. M'ta aimé vont virer. Moi t'a voulu le changer pour jamais même Haïti a souffert très longtemps. Moi t'a voulu ça changer tellement gon belle patrie. Nous devons travailler pour lui par côté les on dit tête ensemble pour nous changer lui tellement gon belle patrie. Nous devons travailler pour lui par quitter les on on dit. Jen qui la ah ah, faut nous kakwen nan sa. Mettez tête nous ensemble pour nous faire bagay qui bien, pour nous courir derrière ça qui mal. Oh, pour jeunesse là, pour pays là, pour tout moun net, parce que des pays à changer. Merci. Bon! Regardez! Parala tellement bon pour juge Mérisier le campé pour le bat bravo. Comme si nous sommes nous sûrs, nous sommes remis à le faire. Merci! Moi, pareil, mais dit monde semble avec monde, même si monde con semble avec monde, parce que toujours gagner. Yon ti originalité la kay moun sa nou toujours dit semblé avec l'autre moun nan. OK, tant pri pa commencer rele le ti danou la. OK, c'est pour samedi ça. Li sot fò bagay ki vraiment appréciable, parole li improvisé pour nous, chante a pa bien Haiti la dan, li mete li tout bay conseil la dan. Ça c'est yon artiste ki mande encadré. Li pa kon fini, même pa ka ban nou tout on seul coup, nous d'accord? En pile bravo pour Artiste Lynn. Semaine dernière, nous te gagnons une slameuse qui était censée pas moins cap dire avec mon oui. Oui, craser ça. Merci beaucoup Google moi.
Bien. Lydie, entourage li tellement chargé moun sa yo, li pa tap seulement remè se li seulement pour nous découvrir. Donc li vini avec yon lot bomb. C'est ça? Di moui. Nous connaissons même des jeunes paroles là, faut me porter le pour nous. Il pas tripotaille non, m'ba na faire moun. Bien. Nous pral accueillir slameuse nous hein, qui pral faire honneur avec première slameuse nous hein. On l'appelle s'il vous plaît, qui pral présenter tête li et puis pour montrer nous salgue dans jacout li. En pile bri pour moi s'il vous plaît pour Naïssa. Bonsoir Naïssa, public là pour faire sauve la velle, nous d'accord? Salve Léry, nous d'accord monsieur, quand figue Valérie. L'emvin palier à verre, c'est pour recevoir ma quai. Seulement l'em dit honnête, ou après pour respect. Honnête! Honnête! Ok, j'en sais dit là, moi c'est Jean-Naïssa Abigail, consoeur Nishanda Préval, Dishanda Yag, nous c'est cofondatrice l'Union Typique. Donc, moi, je vais dire un texte pour nous. Je vais dire attention, nous pour enjoy li ensemble avec nous. Titre, c'est Paria. Troublé par mes sentiments, trahi par mon cœur, mais quel ressentiment. Je suis en désaccord avec moi-même, même mon sang se diffère de mes veines. Paria dans mon univers, je n'ai plus que mes vers vers qui me tournaient. Pour être abandonné, plongé dans mon inconscience pour être rejeté. Alors vous voulez tous partir? Partez, partez, partez tous! Mon corps, mon cœur, mon âme, mon être, ma conscience et même mon subconscient sont en désaccord. Chacun fait son petit accord. Donc, je suis vide. Vidé de mes sentiments, de mes émotions. Mais putain, qu'est-ce que je ressens? T'as ce pouvoir là? Alors l'amour, t'as autant de pouvoir pour me séparer de moi-même? Quel sentiment troublé, comme une douce eau qui vient de se faire agiter. Je l'aime ou non? Ben, je m'y fais quand tu es maître de tout cœur. Oui, l'amour, on s'y fait corps, tu es maître de tout cœur. Je m'y fais, on s'y fait, je m'y fais, on s'y fait corps. Tu es maître de tout cœur, t'es maître de tout cœur. Merci. Merci à Naïssa, elle était qui t'a parlé, elle me dit bon, faut me passer dans l'émission, on même pas gagné un texte social pour me présenter, mon grand texte qui parle l'amour. Me dit oh. Qui est le plus gros barrage que tu as vu parler dans le millénial qui est l'amour? Hein? Je me suis senti juge Placide. Vous avez les charmes. Hein? On applaudit, s'il vous plaît, Naïssa. Bon, je dis un bagage. L'aime dans de Naïssa dit partez, partez. Je me dis quatre messieurs, je me dis publiquement. Mais moi, nous tellement rêvons, millénial, nous tellement rêvons. Je suis timide, nous rêvons. Hein? Pas vrai? Pas de bravo, peut-être. Nous vous s'il vous plaît. Hein? Bien. Avant, nous tendez, deuxième prestation, artiste Lina. Nous avons l'autre gros boule tonton artiste Captain Nodé. Pendant le juge, il va déterminer qui est-ce qui va aller dans la finale ensemble avec nous. Nous allons continuer avec la troisième série de questions. Civisme. Pas oublier, non. Pas vrai? On y va. Bien. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.